Nous sommes le 11 août 1963, 278,8 km au programme sur le circuit de René, 17 tours d'environ 16,5 km avec l'ascension du Kreuzberg. Et l'équipe nationale belge, articulée autour du double champion du monde Rick Van Looy, va parfaitement maîtriser la course. Mais il y a de l'eau dans le gaz au sein de la sélection belge. Gilbert de Smet va lancer le sprint pour Rick Van Looy alors que Benoni Beyet reste dans la roue de Van Looy, mais Van Looy est lâché trop tôt face au vent. Beyet déborde Van Looy, celui-ci ferme la porte, mais Beyet est sacré champion du monde devant Van Looy tandis que Joe Dehaene complète le podium. Ciao tout le monde.